Oui, c'est Tanguy pour un épisode 2 de Opposing Force. Alors, je viens de vous quitter, moi, perso. On va allumer ce truc. Ah, d'accord. Et ça... Eh oui. Donc, je devrais le mettre où? Bon, ça me semble bon, moi. Oh. Chaque point de vie compte, comme d'hab. Ouais, ça me semble bon. Ouais. Putain, si ça commence jeu de plateforme. Ouais, c'est spécial comme grosse comme bouton ça pour une porte comme ça. Je suis obligé de... Oh merde. Il s'est rien passé. Oh mais c'est le... Ah oh, oui, je passe ici au début avec... dans Half-Life, là, c'est là où le trail passe au début. Et qu'ici, il y a un chariot, je crois. Ah, c'est cool, ça, comme clin d'œil. Putain, je vais crever. Je dois passer par ça. Oh merde. Oh merde. Oh putain. Ouais. Putain, ça va. Échelle. Toujours qu'il y a un moment où je me balade dans ces putains d'égouts. Putain, mais ils prolifèrent là, les barnacles. Là, je serais obligé de les quitter. Oh. Nade. Alors. Putain. Oh là. Spécial ça. C'est des robots ou alors il y a un mec qui les pilote ces trucs. Ah et c'est quand il part qu'on arrête l'alarme. Et non, il y a rien de suspect dans la pièce. Il y a rien de grave. Oh putain, j'ai pas intérêt à me viander. C'est overflow quand... Le niveau baisse. Ah, ah oui, il baisse vraiment. Comment on dirait une parking, il y a des voitures qui viennent ici. Alors je suis dans... Sensor. Oh putain! Je ne serais pas buté par ça! Ouais, ça aussi c'est une zone où on passe dans Half-Life là. On y passe en tramway aussi. Ouais, d'ailleurs ici c'était bourré de produits chimiques. La fuite semble avoir été réparée avec des gros pansements. J'adore.
Ouais, c'est facilement reconnaissable. Ah putain. Je sais ce que je dois faire, ça pue comme le bruit, ça. Alors faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Je veux pas être responsable des conneries. Alors, si vous voyez un train ou un tram hors service, et qu'il y a eu un, je sais pas, une merde, genre un ouragan, un tremblement de terre juste avant, ne montez pas dans le train. Je sais pas comment il a eu l'idée de faire ça, bordel. C'est parti pour le petit voyage. Évacuation. Secteur 1, ok. Voilà les gars, je suis pas là. Scientifique, ils se démerdent. Ok. Vraiment le seul chemin n'empêche hein. Putain. Oh une grosse porte, j'adore les grosses portes. Oh elle craint cette grosse porte. Oh. Ça fait seulement 10 minutes qu'on est ensemble. Ah non, j'ai touché, il y a du sang là. Qu'est-ce qui se passe? Ah ok. Je tire, il se téléporte, super. Qu'est-ce qu'il fout là le gros? Un garde qui doit mourir. Ça s'ouvre tout seul. Venez m'ouvrir. Ah, merci. Pistol. Putain, c'est traître. Je récupère le pistolet. Je dois prendre ça. Super, j'ai faim. Foutue machine, pourquoi ça marche jamais? Toi t'as de l'avenir. J'aurais pas une petite pièce là? Oh putain. Putain, je me cogne la tête contre les murs. Alors. Très bien, allons-y. Toi, tu vas me suivre dans la poche. D'où il sort ce truc? Oh non, quoi? Sérieux? Oh putain, non, ma première mort, c'est à cause d'un crabe! Ah non! Oh non, me faites pas ça! Oh putain, ils sont déjà morts, là. Oh, faut arrêter les conneries! Putain. Oh non, je vais devoir mettre ça pas. Super, j'ai faim. Foutue machine, pourquoi ça marche jamais? T'as un flingue, pète la vitre. Vous auriez pas une petite pièce là? Suis-moi. Je vois que ma réputation m'a précédé. Ma réputation de gros morphole. Qu'est-ce qu'il y a? Oula, c'était pas loin. Je fais ma gueule. Moi, c'est 19 points de vie, les crabes me butent. Je l'ai descendu. Et un de plus. Y a quoi là derrière? Rien de personnel, mon gars.
Vous avez vu ça? Vous avez essayé l'IG-88? Moi non, mais je connais quelqu'un qui... Je ne sais pas, je n'en avais jamais vu auparavant. Ça va aller, monsieur. Quoi, je m'en occupe. Oh, mais merde, j'ai été salement touché. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Non, je ne veux pas mourir. C'est quoi ce truc? Putain, c'était quoi ça? J'ai entendu crier. Oh, les pauvres types. C'était quoi ça? Ah non, des gros aliens. Des gros aliens armés, intelligents et qui sont pas de Xen, ils sont de nulle part, putain. Viens avec moi, poulet. Alors ça, en fait, c'était des membres de la race X. Vous m'avez pas dit que j'aurais à faire ça. C'est une autre race d'aliens, c'est pas des Xeniens. Y'a quoi derrière? Maman va s'inquiéter si je rentre pas. Maman va s'inquiéter si je rentre pas. Oh putain. Oh non! Vous êtes avec eux, n'est-ce pas? Téléphone, je peux l'utiliser. Là. Alors... Rien de personnel, mon gars. Oh, non. Je suis obligé de me méfier des crabes, je les entends pas. Ils ont rien vu. Alors merci, s'il y a de la bouffe. Enfin, il y a de la bouffe, je me comprends quoi. Et hop. Putain, de l'armure. Ok. Ah. Putain, je failli passer à côté quoi. Oh putain. Je sais. Alors apparemment il y a une évacuation, donc salut, c'était Tanguy pour la fin de Half-Life, Opposing Force, je vais être évacué, ça c'est cool. Pouvoir foutre le camp de sang fond. Cooper, vous me recevez? On évacue la base, je répète, on évacue la base, l'Air Force va bombarder le site, alors dégagez de là. Oui, Freeman, de toute façon il ne survivra pas au bombardement. Cooper, vous m'entendez? Colonel. Bravo Shepard, vous avez réussi. Je suppose que vous n'avez pas trouvé Freeman. Aucune importance, caporal. Le raid aérien a commencé. Rendez-vous en garde pour l'évacuation. Par rapport à Freeman, je crois que j'ai ma petite idée d'où il en est si parle de raid aérien. Putain. Où est ce foutu Freeman? Il n'y a plus une minute à perdre. Freeman peut être n'importe où. Vous devez me croire. Je vous laisse pas partir tant que vous m'aurez pas tout dit. C'est fou ce qu'il a l'air d'être au courant. Hein. Alors. La suite est l'évacuation. Bon d'abord je pète les caisses, les cartons parce que voilà.
Y'a quoi par là? Putain, je veux savoir. Salut! Je crois que la blessure est sérieuse. Comment je me fais pas chier? Il fait sortir? Ça va. Bon, repasser par son chemin de merde. Hop, je pète les cartons, je récupère les dernières positions qui ne pas. Alors, salut, c'était Tanguy. Bonne journée. Charger un peu tout ce qui me reste. Bah, c'est parfait. Donc, salut, c'était Tanguy. Et bonne journée.